Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Aujourd'hui, un 101% du mercredi, c'est-à-dire qu'il va y avoir du Suzuka, du Julien Pirou, et puis de lui. Et ça, vous le saurez dans les news. Et il y aura bien sûr une critique de jeux vidéo. Mais on commence avec les news avec mon nouveau petit ami. Le mardi 30 septembre avait lieu à Paris, aux Grandes Marches, une exposition de jouets high-tech réservée aux professionnels. Au cours de cette dernière, nous avons pu voir des jeux électroniques nouvelle génération ou encore des hélicoptères télécommandés qui peuvent s'affronter grâce à des rayons infrarouges. Mais le plus impressionnant était certainement le nombre de nouveaux robots télécommandés prévus pour Noël prochain. Ils possèdent tous leurs particularités, du lapin en peluche pouvant jouer à 1, 2, 3 soleils, à la petite amie du robot Sapiens, beaucoup plus proche du mannequin que des Sapiens. Mais à vrai dire, notre intérêt s'est porté sur un robot en particulier, le Spikey. Comme vous pouvez le voir, on est dans ma cuisine, mais je ne suis pas seul. Nous avons un invité qui va arriver. Ah bah, le voilà. C'est Spikey. Et Spikey, bah, il est fan de Nerds. Montre-leur! On pourrait croire qu'il fait tout ce que je lui dis, mais en fait non. En fait, c'est un robot qui se pilote grâce au Wi-Fi. On télécharge un petit logiciel qu'on peut installer sur ordinateur, PC ou Mac. Et ce petit logiciel permet de piloter votre robot Spikey. Je vais lui dire que c'est bon, il est rechargé. Donc je clique ici. Et lorsque je vais cliquer ici, Spikey va se mettre en fonction. Voilà, il me dit qu'il est prêt. Maintenant, j'utilise le clavier de mon ordinateur pour diriger le robot. Et comme vous pouvez voir dans l'écran, je vois où va Spikey. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que, bah tiens, Rémi va aller dans ma chambre, je vais envoyer le robot et je vais lui dire qu'on peut manger, que j'ai préparé le repas. Autre truc intéressant de Spikey, lorsque vous n'êtes pas là, que vous laissez votre Spikey sans bouger, vous pouvez mettre le mode vidéosurveillance, qui est ici. Voilà, là, Spikey est en mode vidéosurveillance, donc on ne bouge pas trop, donc pour l'instant rien ne se passe, mais je vais essayer de bouger, vous allez voir. Donc imaginez, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas chez vous, et vous laissez Spikey en mode vidéosurveillance, vous êtes au travail, et vous avez réglé sur votre carte Wi-Fi Spikey, et vous avez votre boîte mail qui est à l'intérieur du logiciel. Voilà, je fais un intrus ou un chat ou quoi que ce soit. Voilà. Alors oui, ça corne. Vous allez me dire, ça corne juste. Mais en fait, non, ça ne corne pas juste. Je vais t'arrêter, Spikey, tais-toi. En fait, ça m'envoie un mail avec ma photo dans ma boîte mail. C'est-à-dire que je sais qui était chez moi. Alors bon, c'est gadget, hein, bien sûr, parce que bon, dès que ça sonne, tu peux te faire repérer, etc. Mais c'est rigolo. Il y a des sons qu'on peut mettre à l'intérieur et enregistrer bien sûr la webcam. Voilà. Et c'est vraiment amusant de lui demander de rentrer tout seul à la base quand on clique ici. L'auto-parking. Allez, vas-y, garde-toi tout seul. Là, tu t'es bourré. Voilà, il la recharge. Alors bon, Spikey, c'est pas le robot super intelligent, c'est pas le chien de chez Sony, mais c'est quand même un gadget super rigolo avec lequel on s'amuse un petit peu. Alors, attention, pour les enfants, il vaut mieux être aidé des parents pour mettre en place les clés Wi-Fi, etc. Parce que c'est pas hyper simple, quoi. C'est pas super compliqué, mais enfin, il vaut mieux avoir un adulte pour l'installer. Voilà, c'était les news et vous avez pu découvrir mon nouveau petit ami, Spikey, le robot espion. Hein, comme ça, vous savez qui est allé aux toilettes, quand le chat est passé devant la caméra, et il vous envoie un mail à chaque fois. Et si vous avez plein de gens chez vous, bah, vous recevez des mails tout le temps et ça devient super chiant à la longue. En fait, bon,
C'est mon nouvel ami, mais je vais pas le laisser brancher longtemps. On va regarder une critique maintenant, c'est Bangayo Spirit. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a des studios de développement qui inspirent l'admiration et l'amour des gamers. Treasure en fait partie. Leur logo posé sur une jaquette fait rêver ceux qui ont connu le surcoté Radiant Silvergun ou l'inépuisable Gradius V. La direction artistique de leur jeu, l'exigence et l'excellence des game systems et des gameplays proposés, alliés à une philosophie et à une rigueur intellectuelle inhabituelle dans le milieu du jeu vidéo, tout ceci leur confère une classe que les gourmets du jeu vidéo savent apprécier. Par exemple, ils ont longtemps refusé la facilité en évitant de faire des suites de leurs grands succès, et préféraient reprendre tout de zéro à chaque fois. Pourtant, Bangai O Spirit est une suite. La suite d'un des fleurons du studio, sorti en 99 sur N64 d'abord, puis sur Dreamcast. À l'époque, Treasure venait tout juste de pondre son chef-d'œuvre ultime, le gigantesque Radiant Silvergun. Et lorsqu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un nouveau shooting, tout le monde attendait un jeu dans la lignée, sinon une suite directe de Radiant. Surprise, Bangai O était un jeu tout bizarre, complètement abstrait, loufoque, mais aussi innovateur et terriblement intéressant et défoulant à jouer. Sa principale caractéristique était de mettre en scène des sprites minuscules et des attaques mettant en jeu des centaines de missiles à l'écran. Et voilà que Bangai O arrive aujourd'hui sur DS. Le pari semble impossible à tenir. Comment Bangai O pourrait garder son esprit intact et en même temps rester jouable sur l'écran de la console? Pas d'histoire dans Bangai O Spirit. On atteint ici le niveau d'abstraction maximum du shooting. Le level design, les ennemis, les défis relevés n'ont aucune justification scénaristique et n'ont de sens qu'avec le gameplay qu'ils vont procurer aux joueurs. Le jeu se compose de 167 stages, divisés en trois sections. Treasure's Best, Puzzle et Other Stage. Chaque niveau est sélectionnable à tout moment, il n'y a rien à faire de spécial pour les débloquer. Ce qui compte, c'est d'avoir terminé les niveaux, et surtout avec un bon score. Pour finir un niveau, il suffit de détruire toutes les cibles en présence. C'est tout, nous pouvons passer tout de suite au... Contrairement au premier épisode qui proposait une mise en bouche en douceur, ici, il faut être capable d'assimiler immédiatement un tutoriel assez compliqué et surtout très dense. Il faudra dans un premier temps comprendre les différents mouvements du Bangai O, le robot géant que le joueur pilote. Il peut se déplacer dans toutes les directions, faire un dash au sol, effectuer des charges pour percuter les ennemis et bien sûr, tirer sur l'adversaire. C'est là que ça devient compliqué. Avant chaque niveau, on peut assigner deux armes à son robot, des armes qui peuvent parfois se combiner pour en faire une plus puissante. Il y a le bounce, un tir qui rebondit sur les parois, idéal pour les niveaux exigus, le homing, un tir à tête chercheuse, le napalm, qui augmente les dégâts à l'impact, le break, capable de traverser plusieurs cibles, la sword, une épée à utiliser au corps à corps, la batte, pour envoyer valdinguer les ennemis ou les boulettes alentour, et enfin le shield, un bouclier qui peut se placer dans une des quatre directions. À côté de tout ça, il y a le tir EX, l'équivalent de la super bombe dans les shootings, un tir très puissant qui use un niveau de spécial et qui permet de faire le ménage autour de soi. Cette jauge de spécial comprend trois niveaux et se recharge en récupérant les fruits abandonnés par les ennemis détruits. Pour le tir EX également, le joueur peut assigner deux armes différentes. En plus des tirs déjà présents parmi les choix de l'arme de base, on trouve aussi le Direct, qui concentre tous les tirs sur la cible la plus proche, le Freeze, qui bloque les ennemis, et le Reflect, qui renvoie les tirs adverses à l'envoyeur. Enfin, on retrouve évidemment le système de contre qui a fait le succès de Bangai O. Plus le nombre de tirs ennemis est important et plus ces tirs sont proches du joueur, plus le tir EX sera puissant. On peut monter jusqu'à 100 tirs de taille x4. Quand on atteint ce maximum, on a l'impression que la DS va nous claquer entre les doigts, tant le déferlement de tirs et d'explosions à l'écran dépasse toutes les limites du ludiquement correct. Le level design est lui aussi complètement barré. La quasi-totalité des niveaux met le joueur face à un nombre déraisonnable d'ennemis qui l'assomme sous une pluie de missiles denses et ininterrompus. Il faudra souvent réfléchir pour s'en sortir. Oui, c'est dur à croire en voyant ces images, mais jouer bourrin ne mène à rien.
Très souvent, il faudra trouver la bonne combinaison d'armes pour passer les passages les plus chauds et surtout maîtriser au mieux les contres IX pour optimiser les dégâts. Il y a aussi l'éditeur de niveau, très puissant et très intuitif. Quel que soit le mode de jeu, on peut à tout moment basculer en mode édition. Et à l'aide du stylet, modifier le décor, déplacer ou rajouter des ennemis pour reprendre la partie exactement là où on en était. Immédiatement excitant, ce mode est une invitation irrésistible à la création de niveaux. Évidemment, terminer un niveau ainsi modifié ne permet pas de valider un score. La création de niveaux va encore plus loin. On peut s'échanger ces niveaux sous forme de sons. On peut les enregistrer via une prise micro, puis les uploader sur le net ou se les passer tout simplement de DS à DS en collant le haut-parleur de l'un sur le micro de l'autre. Bangai O Spirit est aussi blindé de petites références bien marrantes, que ce soit dans les dialogues entre le prof et les pilotes ou dans certains level design en forme d'hommage aux classiques de l'arcade comme Pac-Man ou R-Type. Difficile de résister à Bangai O Spirit. Il faudrait être soit totalement blasé, soit totalement insensible à la game culture japonaise pour ne pas y trouver du plaisir. Le plus impressionnant, c'est la limpidité du gameplay. Une illumination qui n'apparaîtra qu'aux joueurs persévérants, qui sauront dépasser la première impression de chaos total. Oui, aucune des armes n'est inutile, et toutes s'adaptent parfaitement à certaines situations. Le plus fort, c'est que tout se fait naturellement. Pas de limitation du style « seule une certaine arme peut détruire tel mur ou tel ennemi ». Non, il s'agit vraiment de situations engendrées par la configuration des décors ou des embuscades qui seront résolues plus facilement avec telle ou telle arme. Ultime et paradoxale réussite, les ralentissements, quasiment inévitables dès qu'on sort les contres IX, sont finalement plus une source de jouissance que de frustration. Balancer tellement de missiles est un tel plaisir que le joueur finit par être fier de faire ramer sa pauvre déesse en train de mourir entre ses mains. Va plus à droite, va plus à gauche, voilà, voilà, c'est bien, t'es mignon. Voilà, et pendant que Spikey découvre le plateau de No Life, on regarde la minute du geek sur la mythologie nordique. Tu connais la mythologie nordique? Non, hein? Ce qui est bien, c'est que je suis plus intelligent que lui, alors, et ça c'est rare. Previously in La Minute du Geek. Objection. Oui, Asgard, en fait, c'est un truc qui est vieux. Midgard, Asgard. Bodyguard. Die Hard. Oui, le journal du Hard. La garde de l'Est. Objection. Deuxième épisode de notre série de Minutes du Geek consacrée à la mythologie nordique avec l'origine du monde. Celle-ci est racontée en détail dans un poème de l'Edda poétique nommé Voluspa. À l'origine, il n'y avait que le feu et la glace. De leur rencontre naquirent un géant, Ymir, et une vache, Odumla. Oui, c'est étrange, mais ce n'est que le début. Il semble qu'Ymir avait l'étrange particularité de voir des enfants émerger de diverses parties de son corps, puisque le premier couple de géants émergea de ses aisselles et le géant du feu Surt de sa sueur. Un jour qu'Ymir voulait boire le lait de la fameuse vache, celle-ci lécha un morceau de calcaire qui se transforma en Buri, le premier dieu, qui à son tour allait donner naissance à Odin, Vili et Vé. Les trois jeunes dieux ne tardèrent pas à tuer Ymir et créèrent l'univers à partir de sa dépouille. Sa chair devint la terre, son sang l'océan, ses os les montagnes, sa cervelle les nuages, et enfin son crâne devint la voûte céleste. Oui, quand on vous dit qu'Ymir était un géant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les dieux ne tardèrent pas à se scinder en deux clans, les Æsir et les Vanir. Les Æsir, dont Odin était le chef, étaient des divinités plutôt guerrières, là où les Vanir étaient des divinités agraires et pacifiques. Sans grande surprise, les premiers tentèrent de conquérir les seconds. Mais ce que les Æsir n'avaient pas prévu, c'est que les Vanir résistent férocement et même les mettent en échec. Finalement, les deux clans firent la paix et devinrent alliés. La suite, au prochain épisode. Alex et Suzuka sont au Japon
Et ben même s'ils sont au Japon, on a quand même des images de Tokyo Café en France. Mais ça parle du Japon. Ou du Japon en France, je sais pas encore. Enfin, en tout cas, dans l'équation, il y a Japon, il y a France, il y a Suzuka et il y a Alex. Voilà. On regarde. Irasshaimase, Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日は私、銀座のバニラガローさんに来ております。なんとですね、私実は子供の頃からすごいホラー漫画が大好きで、特にお茶漬けのり先生の三劇館という漫画がね、ハロウィンっていう雑誌でね、連載しててすごく好きだったの。で、なんとその先生が今日ここでエクスポジションをしていらっしゃいます。4人展なんですけどね、ちょっとみんなで見てみましょう。ドアを開けてまっすぐ目に入ってくるのがお茶漬けのり先生の作品ですよ。もうね、このね、自画像、私初めて見たときびっくりしました。あ、お茶漬けのり先生だからやっぱ、あ、お茶漬けなんだって思ってなんかね、子供心にね、妙に納得してましたね。こちらのデッサンはあれですよ、三劇館の館、ル・マヌアル・ド・ロ・ルーの館の絵ですね。これね、本当にね、私ね、雑誌でね、読んでたんですよ。これね、漫画もね、すごい面白いの。これ可愛いと思うでしょ、この動物が。なんと、その続きはみんな自分でチェックするように。フランスで変えたら嬉しいな。他のね、4人展ということで、お茶漬けのり先生だけじゃなくて、例えばこちら、野呂みちるさんなんかね、ね、これ私、映画見たんですけれども、セテ・ヴァモン・セテ・ビアンでしたね。この、漫画とフィルムのマリアージュみたいな。こちらに飾ってあるのが小島美也子先生のイラストですね。こんなね、可愛らしいね、絵とか描いてるかと思いきや、こんな内臓だったりとか、目玉だったりとか。ね、一体どんな方がね、こんな絵を描いてらっしゃるんですかね。こんな釣り針で釣っちゃっても痛そうみたいな。あら、小島先生じゃないですか。どうも、こんにちは。こんにちは、小島です。ボンジュール。あれですか、小島先生いつもこんなスタイルの絵を描いてらっしゃる。そうですね、はい、怖くてもちょっと可愛い感じのものが好きなんで、キュートで怖いものが好きなんです。良いホラー漫画ってどんなホラー漫画だと思われますか？あ、ホラー漫画はですね、作家さんによってそれぞれ考え方がすごく違うと思うんですけど、私自身は、現実の世界で例えばいろんな残酷な出来事がありますよね。殺人とかそういうことは現実に任せて、もっとファンタジックなもの、現実に起こりえない、例えば目玉がこうね、火の玉みたいに泳ぎ出すなんていうことは、まあ怖いけれども現実には決してありえないファンタジックのことを書きたいと思ってます。私ね、ちょっと本当にね、今日は緊張してます。どうも、はじめまして。皆さんにも紹介します。お茶漬けのり先生です。あ、どうも、はじめまして、お茶漬けのりです。よろしくお願いします。では早速インタビューの方よろしくお願いいたします。ね、今回のこの展覧会について教えてください。どういう展覧会なんですか？あ、そうですね、ホラー漫画家4人でやるグループ展でですね、もともとこのバリナカローってとこが私好きでやりたいなと思った時にちょっとお話が来まして、じゃあ4人でやりたいなということで、皆さん心よく承知いただいて やりました。先生、こちらに作品がありますが、はい、ちょっと見せていただけますか？はい、どうぞどうぞ。はい、ですね、これがですね、ちょっと今私手を怪我しておりましてこれは演出ではないんですね。演出ではなく、ちょっとうっかり転んでですね、手首を折りまして、その後にちょっと、これは昔の単行本の表紙なんですけど。ちなみに1枚描かれるのにどのくらい時間かかりますか？あ、そうですね、このぐらいでしたら本当に4時間ぐらいで描けますけどね。漫画
画でのホラーの表現と映画でのホラーの表現ってどう違いますか？お茶漬けのり先生がこう見せたい漫画と違いますか？なんて言うんだろう、漫画でのホラー、映画での。そうですね、映画と漫画の違いが大きくあるところありまして、なんか漫画っていうのはまあ何でも描けますよね。でも映画っていうのはもう全部作らなきゃいけないじゃないですか、実際に。でそれでちょっとで映画っていうのはどっちかっていうと、まあ、ストーリーも重視なんですけど、あの音楽がありますので、間合いですね、出るぞという間合いが映画だとすごい発揮できる。だからお客さんはこう例えばこうカメラが動いていると、あ、出るんじゃないかと、そこ怖くなりますよね。それが漫画だとどっちかというと出てから怖いっていう感じなんですけど、映画のその前の間がね、怖い、面白いんです。それが怖く思うのがお客さんが想像してくれて、出そう出そうって出なかったっていうのがホラー映画の醍醐味かもしれません。お茶漬のり先生にとって良いホラー漫画とはどういうものだと思われますか？ああ、そうですね、やっぱね、ホラー漫画っていうのは子供たちが読むもの、やっぱね、小学生中学生の女の子男の子が読んで、空想妖怪とか不思議なこととか妖精とかね、あると思いますんで、やっぱりね、こうちゃんとホラー漫画の役目っていうのは、子供たちに教訓を与える、こういうことしちゃいけないよっていう与えるものだと思うんですよ。なんで今はね、だんだんとこうちっちゃい子が読むホラー漫画を描いてるんですね、描こうとしてるわけで、それしてなんかこうなんかちっちゃい時に読んで、お化け怖いよとかね、トイレ怖いよっていう、そういう漫画を描いていきたいですね。ね、私が大好きだったホラー漫画のお茶漬けのり先生のサインを入れていただきました。もうこれ家宝にして大事に大事にしたいと思います。ふぶねこんぶぶれ。Spikey, Spikey, Spikey, viens me voir, regarde-moi, non je suis là, viens voir Spikey, viens, viens là, viens, approche, viens, viens Spikey, allez, on dit au revoir aux gens et après on va faire tes besoins, d'accord? Allez, au revoir, et maintenant tu me prends en photo, allez Spikey.